Et bonsoir tout le monde, monsieur Top Top, c'est à vous. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Top Top et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau, et j'ai même envie de dire une nouvelle saison de Oh Suivant. Et on suit en plus. C'est cool. Et avant toute chose, ben, on est en 2022, donc je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022. Et joie, voilà, prospérité. Merci beaucoup. Amour, chance peut-être aussi. Et la chance, je pense que les Whammers vont en avoir besoin ce soir. Et argent, point de Whammer même d'ailleurs. Car qui dit nouvelle saison, dit bah, tout d'abord nouvelle miniature hein, pour ma part sur ma chaîne. Et surtout, nouvelle échelle des gains qui va contenir quand même là, plus de 60 000 points de Whammer, ce qui est énorme. Sinon, les règles, quant à elles, n'ont pas changé. Les Whammers vont passer les uns après les autres en face de moi. Ils vont devoir répondre à des questions de culture générale, dont certaines seront allées un petit peu plus sur les fêtes, l'hiver, enfin bref. Et le but ultime à tous ces Whammers, c'est d'être notre champion de ce soir. Et attention, le but, ce n'est pas d'être le champion, encore faut-il y rester jusqu'à la fin de la première partie du jeu, car c'est comme ça, et uniquement comme ça, qu'on accède à notre grande finale tant redoutée, la finale du 21, où il faut me donner 21 mauvaises réponses de suite. Je sais, c'est pas évident, mais ça peut rapporter très gros, car en plus des points de Whammer que le candidat a accumulé, eh bien moi je rajouterai le bonus de 2000 points de Whammer. Et tous les gains dont je vous parle depuis tout à l'heure, bah, va se retrouver dans la nouvelle échelle des gains que je vais vous montrer dans un instant. D'ailleurs, je pense qu'on va pas perdre de temps. Je vais tout de suite demander à notre Jean-Michel Rigide National d'afficher la roue des Whammers pour qu'on puisse faire connaissance avec nos candidats de ce soir. La roue des Whammers est affichée. Alors, nous avons donc Dr Nintendo. Bonsoir. Bonsoir. Anto. Bonsoir. Chef Puma. Bonsoir, bonsoir. Goomba. Bonsoir. Wham. C'est moi-même, bonsoir et bonne année à tous. Bonne année et event. Bonne sueur. Comment allez-vous les Whammers? Ça va nickel. Magnifiquement bien. Bah, si tout va bien, c'est parfait. D'ailleurs, ben, je pense, si vous le voulez tous, on va faire tourner la roue des Whammers pour savoir qui sera notre premier candidat de ce soir. Alors c'est parti, faisons-la tourner. Je la lance. C'est Dr Nintendo qui l'emporte et c'était vraiment au poil de chatte, j'ai envie de dire. Un poil de chef puma, on a dit. Ah oui, c'est vrai, un poil de chef puma. Oh là là. Effectivement. Vous me choquez, monsieur le maire. Est-ce que vous voyez la flèche entre les deux? C'est incroyable. Oui. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Dr Nintendo? Magnifique. Bah moi ça va très bien, je vous remercie. Un habitué de suivant hein, pour Dr Nintendo. Oui, tout à fait. Et j'espère bien cette fois-ci tout simplement réussir la finale du 21. Mais pour cela, il faut déjà que j'y accède. Et donc oui, je suis prêt à répondre à toutes les questions. J'espère ne pas avoir des salves trop compliquées pour moi. Contrairement à la dernière fois. Déterminé à l'avance, je n'y peux rien. Bien sûr. D'ailleurs, Dr Nintendo, qui a déjà été deux fois à la finale du 21, hein, précisé. Peut-être une troisième fois, jamais 203. Tout à fait, je l'espère pour vous en tout cas. Est-ce que vous êtes prêt à jouer? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord... Bien prêt à perdre. Bah, c'est parfait, mais avant toute chose, je vais rappeler les règles pour les Whammers ainsi que pour bah, peut-être les viewers qui ne connaîtraient pas encore notre jeu au suivant. Je vais tout d'abord vous poser une première salve de questions, mon cher Dr Nintendo. Chaque salve comporte 4 questions sur un thème particulier. Il faut obligatoirement me donner 3 bonnes réponses. Je sais. Plus d'une erreur, parce qu'à la deuxième erreur, je devrais passer au... Suivant. On a que 2 qui suivent, punaise. Ouais, il y en a 2 qui suivent cette fois-ci. Il y avait des micros coupés, je l'ai vu. Ah là 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 là. Au suivant, on revient trop tard. C'est tellement gentil. Et si tu me donnes 3 bonnes réponses, mon cher Dr Nintendo, alors là, tu vas pouvoir choisir un numéro compris entre 1 et 52 pour tenter de remporter un gain dans la nouvelle échelle des gains que voici. Les gains vont entre 0 et 5000 points de Whammer répartis en un ou plusieurs exemplaires.
On a également un montant négatif, à moins 200 points, bon il là faut le préciser. On a également des duels, si on tombe sur un duel, eh bien on défie le champion en duel et le plus rapide à me répondre correctement à la question prend la place du champion et élimine son adversaire. Le passe-passe, on change de place directement avec le champion, ce qui peut être assez pratique. Trois méchants suivants, bon même en 2022 j'ai essayé de les retirer ces méchants suivants, mais bon ils sont toujours là, faut faire avec. On a également deux bonus, un bonus de 100 points. Si tu tombes sur ce bonus, eh bien quoi qu'il arrive, tu repartiras de ce jeu avec 200 points de Whammer. C'est quoi le bonus du mini 21 ? Un bonus du mini 21 qui est une nouveauté pour cette nouvelle saison de haut suivant. On a un 21 plus petit. C'est-à-dire qu'on va faire un mini 21, on va faire comme une finale du 21. Sauf que cette fois-ci, donc il faudra me donner toujours autant de mauvaises réponses qu'il faut. Mais à la première erreur, sache que le mini 21 s'arrête immédiatement. Tu repartiras de ce jeu, quoi qu'il arrive, avec 50 points par mauvaise réponse donnée. D'accord. Ce qui signifie que si tu me donnes 5 mauvaises réponses de suite, c'est 250 points. 10 mauvaises réponses de suite, 500 points, etc. Et si jamais tu arrives là à faire un mini 21 parfait, tu peux repartir, quoi qu'il arrive, avec au moins 1050 points de Whammer. D'accord. Ce serait quand même bête d'arriver à faire le bonus... Et pas le 21 lui-même, mais bon. Ouais, bon. Après, c'est un mini 21, et sache qu'à la première erreur, c'est terminé. Hein. Le mini 21 s'arrête. Alors, ouais. Oui. On peut aussi remarquer dans les montants à 400 et à 600 points des jokers. Si tu tombes sur l'un de ces jokers, et bien par conséquent, lors de la salve suivante, tu n'auras le droit que. Enfin, tu auras le droit cette fois-ci à deux erreurs et non une. Donc, avec deux bonnes réponses, ça suffira pour réussir la salve. D'accord, ça marche. Je crois que tout est dit. La première partie du jeu dure 35 minutes, et à la fin de ces 35 minutes, celui qui sera le champion jouera avec moi la finale du 21. Entendu. Que tout est clair. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. À part... Enfin, pas une question, mais je suis sûr qu'avec ma malchance, je vais soit tomber sur le zéro, soit sur le suivant. Mais bon. Bon, j'espère pas. Est-ce que chez les autres Whammer, est-ce que c'est bon pour les règles ? Oui, oui. Il y a quelqu'un qui suit. Ouais, il y a quelqu'un qui suit. Mais si j'ai pas de réponse, bah c'est parfait. J'ai à moitié compris, moi, le... Oui, 20... J'ai à moitié compris le mini 21. Alors, le mini 21, en fait, on va faire comme un 21 classique, c'est-à-dire que je vais normalement poser 21 questions à choix de réponse. Il faudra toujours me donner la mauvaise réponse. Mais sache qu'à la première erreur, le bonus s'arrête immédiatement. Tu repartiras du jeu, quoi qu'il arrive, avec 50 points par mauvaise réponse donnée. Ok. Voilà. Je crois que tout est dit. Alors, si tout est dit et qu'on va démarrer, on va demander à monsieur Dr Nintendo de nous rejoindre dans le salon MHR. Et je vais demander à tous MHR, les autres de le voir sur Twitch en train de se vautrer. j'ai porté la poisse. La punchline de Wham. Je suis désolé. Je me suis senti obligé. Es-tu au courant que c'est moi qui apporte le cancer ici? C'est vrai, c'est pas faux. J'en tousse. Allez, on perd pas trop de temps pour lancer le jeu très rapidement. C'est parti, Dr Nintendo. On se retrouve dans le salon MHR. Et pour les autres, ça se passe donc sur Twitch pour voir les réponses de Dr Nintendo. Merci à vous. Bien. Voilà, allez, je rejoigne. Alors on est parti. Je voudrais juste rajouter, il y a deux nouveaux buzzers. Tout simplement la bonne réponse, on entend le public applaudir. Et la mauvaise réponse, ça sera une petite objection de Phoenix Wright. Ah bah, qui dit nouvelle saison, dit nouveau son, hein, aussi. Exactement. On est parti, monsieur Toptoff, c'est à vous. Alors, on est parti pour 35 minutes. Et bien. Le chronomètre commence maintenant. Si je commence avec une première catégorie, on est en plein hiver. On va commencer à une catégorie froid. Première question. L'eau salée ne peut pas geler. Vrai ou faux ? Faux.
me dit faux. Alors, j'ai oublié de préciser que pour chaque question, tu n'as que 10 secondes pour me répondre, sans quoi je considérerais ça comme une mauvaise réponse. Bien sûr, c'est faux, c'est faux. C'est juste qu'elle gèle à des températures plus basses. Alors, l'eau, normalement, gèle à 0 degré. Quant à l'eau salée, elle... 5. Bon. Elle peut geler entre moins 7 et moins 21 degrés. Bonne réponse. Okay. Et à chaque fois, il y aura les applaudissements, mais c'est tellement beau. Applaudissez-moi. Deuxième question. Quelle température est considérée comme la plus basse qui puisse exister? Le zéro absolu ou moins 1000 degrés Celsius? Le zéro absolu, je crois que c'est moins 250 et quelques, je crois, si je me souviens bien. En gros, 0 degré Kelvin. Alors tu dis moins 250, mais à notre côté, t'as moins 1000 quand même, hein? Oui, mais non, justement, on peut pas descendre à moins 1000, c'est impossible. Eh bien, donc le zéro absolu, bon, t'étais proche de la bonne réponse, c'était moins 273,15 degrés Celsius. Ah, je me suis trompé. Et en effet, moins 1000 degrés Celsius, on peut pas descendre aussi bas. Bonne réponse. Pour l'instant, ça va. Oui, je suis sûr que la troisième, elle va me poser problème. Ouais, non, tu vas voir, ça va bien se passer. Voici la question. Ouais, oui, comme toujours. Si je suis un fan de fuite glaciale, qu'est-ce que j'aime? La musique techno ou la BD? Fuite glaciale, c'est quoi? Ouais, musique techno, j'en sais rien du tout. Musique techno. Alors, la fuite glaciale, en fait, c'est une BD humoristique qui est sortie en 1975. Mauvaise réponse. On est pas sur le froid, là. Oh. Bon, glacial, c'est le froid. Mais non, c'est une BD. On est... Oh. Bon, bref, question suivante. La quatrième, et tu n'as plus le droit à l'erreur. Oui, bah, je sais. Je le fais avoir. Voici la question. Si mon corps subit une baisse de température, je souffre d'hyperthermie ou d'hypothermie? Bah, d'hypothermie. Un sens hésiter, là. Oui, bah, c'est logique. Oui, en effet, c'est d'hypothermie. Bonne réponse. Yes, c'est bon. Juste la question piège, mais sinon, le reste, ça va. Bravo, Docteur Nintendo, première salve réussie. Ouais. On va pouvoir choisir un premier numéro entre 1 et 52. Tout est là, en même temps, tu es le premier à choisir. Quel numéro prends-tu? Je vais partir sur 69 divisé par 3, donc je vais partir sur du 23. Le 23. Ça fait un suivant. En plus, il y a toutes les explications qui vont avec et tout. C'est tellement beau. Et avec le 23, on commence pas si mal que ça, on commence avec 2000 points de Whammer. Alors maintenant, Docteur Nintendo, tu as le choix. Ou tu prends directement la place du champion avec 2000 points de Whammer. Ah bah non, si je continue. Bout, on pourrait quand même pour 4000 points de Whammer. Ou on continue faire une nouvelle salle pour dire tu vas fructifier les gains, on risque qu'on passe au suivant. Je continue, moi. Tu sais, je porte mes attributs avec beaucoup de courage, donc... Alors, si on décide de continuer, on y va pour une nouvelle catégorie. Catégorie couleur de chat. Oh. Pardon. Est-ce qu'on regrette pas un peu, là? Non, mais j'aime les chats. Ah bah, j'espère pour toi. Par contre, la catégorie, je vais être merdique dessus. Allez, voici la première question. Laquelle de ces races de chats donne toujours naissance à des chats gris? Le chartreux ou l'angora? Le chartreux, je crois. Je me souviens bien. Tu crois ou t'es sûr? Je pars sur chartreux. On part sur Chartreux, et tu as tout à fait raison. Bonne réponse. Les souvenirs que quand j'avais 8 ans, c'est parti. C'est parti pour la deuxième question. Comment appelle-t-on la tache de poils blancs qu'on retrouve sur la poitrine des chats noirs? Une tache de lait ou un doigt de Dieu? Attends, c'est quoi la première? Une tache de lait ou un doigt de Dieu? Je vais dire une tache de lait. Alors normalement, cette tache, on la nomme comme ça puisque ça empêcherait le chat d'être persécuté.
Et on appelle ça le doigt de Dieu. Mauvaise réponse. Là, je savais pas du tout, franchement. On peut pas tout savoir. Ouais. En fait, quand j'ai dit, je vais prendre le truc inverse, j'ai compris. Quand j'ai dit, je prends le truc inverse. Allez, troisième question. Troisième question. Quel chat risque d'être le plus sourd ? Les chats blancs ou les chats tigrés ? Chat tigré. Chat tigré. Oh putain. Tu dis l'inverse de ce que tu pensais ou pas ? Non, parce que les chats blancs peuvent avoir des cancers aux oreilles avec le soleil, mais je pense pas que ça a un rapport, mais bon, bref. Eh bien, sache que les chats blancs peuvent aussi être sourds. Mauvaise réponse. Ah bah, je pense que c'était ça. C'est que, je pense que ça doit être à cause des cancers des oreilles qu'ils peuvent avoir. Oui, tout à fait. C'est ça. Désolé, Docteur Nintendo, mais la partie va s'arrêter là pour toi ce soir. Et malheureusement, je dois passer au suivant. Suivant, fais chier. Et le suivant, si j'enlève Docteur Nintendo, ce sera... Goomba80. Et Goomba80, on lui demandera une petite présentation parce que c'est sa première apparition sur le jeu au suivant. Bonsoir Goomba. Bonsoir Goomba. Monsieur Goomba, est-ce que vous nous entendez ? Monsieur Goomba, alors je crois qu'il est présent sur le live Twitch. Alors pendant que Goomba arrive, je vais vous faire une petite pub. Sachez que si vous aussi vous souhaitez participer à un futur event au suivant, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jeux de WAM, à mettre la petite griffe bleue, ça fait toujours plaisir, ou la griffe vers le ciel, ça fait toujours plaisir, et à rejoindre le Discord Jeux de WAM pour être au courant des futurs lives. Alors, je crois que ça ne fonctionnait pas parce que c'est moi qui l'ai glissé, il faut qu'il vienne de lui-même. Voilà, normalement ça devrait être bon. Alors, est-ce que vous entendez, Monsieur Goomba ? Ouais, c'est bon, nickel. Parfait. Ouais, parfait, je vous entends. Impeccable. Comment allez-vous, mon cher Goomba ? Ça va bien. Ça va très bien, et aussi, merci. Première apparition pour le suivant, n'est-ce pas ? Oui. Donc, je vais vous demander de faire une petite présentation rapide. Bon, bah, moi, c'est Goomba80, vieux passionné de jeux vidéo. Voilà. Et de jeux de Discord aussi. Ouais, voilà. Et partenaire de jeux de WAM depuis une dizaine d'années, ce qui fait pas mal de temps. Ah oui, quand même. Tout à fait. Un habitué, infidèle. C'est ça. Infidèle. Est-ce que vous êtes prêt à jouer, mon cher Goomba ? Oui. Alors, on est parti pour une première catégorie feuilles. Bon, c'est beau, pour un jardinier, on pourra le faire. Ah, vous êtes jardinier ? Vous l'avez pas précisé. Ah non, je ne dis pas tout. Oh, c'est dommage, on avait tellement envie d'en apprendre plus sur vous. Spécialiste des jeux de baston, également. Ah bah c'est bien aussi de le préciser. En quoi, ce n'est pas le candidat en fait, qui se présente le plus, hein, c'est les collègues. Allez, c'est parti Goomba, première question. À quoi l'appellation feuille de chêne peut-elle faire référence ? À une lettre officielle ou à une variété de laitue ? Une variété de laitue. Eh bien, tu as tout à fait raison, c'est bien une variété de laitue. Bonne réponse. Les applaudissements pour Goomba. Deuxième question. En quelle année la feuille d'érable est-elle placée au centre du drapeau canadien ? En 1867 ? Ou en 1965 ? En 1867. En 1867. Ben, sache que c'est pas si vieux que ça, puisque c'était en 1965. Mauvaise réponse. Eh ouais, comme quoi, hein ? Ouais, ouais. Troisième question.
Tu n'as plus le droit à l'erreur. Comment appelle-t-on les lignes fines qui traversent les feuilles d'une plante? Les nervures ou les nervis? Les nervures. Sur de toi? Ouais. Eh bien, tu as tout à fait raison. Bonne réponse. Les nervis, ce sont plutôt des hommes de main, des tueurs. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, en effet. Quatrième question. Le brick chausson préparé par la feuille du même nom est originaire du Maghreb ou de Madagascar? Madagascar. Madagascar. Eh bien, sache que le brick, c'est maghrébin, ce n'est pas du Saint-Germain, pas du tout de Madagascar. C'était au pif. C'était au pif, dommage. Dommage. C'est dommage. Mais malheureusement, Goomba, ben, la partie va s'arrêter très vite pour toi. Oh, c'est pas grave. Mais on sait jamais, un deuxième tour peut si vite arriver, hein, on ne sait jamais. Alors, faut expliquer à Goomba que si tout le monde est passé au bout des 35 minutes, quoi, avant les 35 minutes, ça sera de nouveau à son tour, puisqu'on servit... Ah non, on va faire dans l'ordre. Donc c'est possible de passer deux fois. Possible. Ok. Tout à fait. Donc la règle est la même, malheureusement, pour tout le monde, et je dois passer au suivant. Merci, Goomba. De rien. Et le suivant, puisque je vais retirer Goomba, le suivant, ça sera... Chef Puma. Monsieur Chef Puma, il va falloir qu'il se déplace de lui-même. Tout à fait. Dans le salon, très ma chère. Normalement, d'ici quelques secondes, parce qu'il y aura le décalage va, oui, Twitch. Décalage, hein, avec le live. Voilà, on est bon. Mais qui est très court sur Twitch, allez, donc bonsoir. Ça va. En effet. Bonsoir, Chef Puma. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Ah, mais moi, ça va nickel. Comme à chaque fois, de toute façon. Ah oui, en effet. Tu ressembles un peu au dragon, en même temps on est des animaux, on est toujours bien, nous. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Est-ce que vous êtes prêt à jouer? On vous connaît très bien, un habitué aussi de vos suivants. Ça fait deux fois que je n'en ai pas fait, parce que je n'ai pas pu être là aux deux dernières fois. En effet. Au final, je n'en ai pas fait tant que ça, je suis moins habitué que les autres. Hein. Oui, mais tu as déjà fait une finale, il me semble. Hein. J'ai déjà fait une finale, oui. Est-ce que vous êtes prêt à jouer? Prêt, on va dire que oui, de toute façon. Bah, tu n'as j'ai pas vu choix, que les questions n'étaient pas faciles, alors... Alors, on est parti pour une nouvelle catégorie. On va rester encore dans les fêtes avec une catégorie bonbons de Noël. Mm-hmm. Et pour cette catégorie, c'est la catégorie photo du soir. Donc, j'ai des photos à te montrer. Ah oui. Et les questions qui arriveront juste derrière. Première question, première photo que voici. Et voici la question qui va avec... Comment appelle-t-on ce genre d'emballage contenant habituellement des bonbons? La piñata, la papillote? La papillote. Oui, la piñata, c'est plutôt mexicain. Bonne réponse. Les applaudissements pour cette piñata. Oui, parce que je me... Voilà. Deuxième question. Deuxième photo que voici. Mm-hmm. Et voici la question qui va avec. De quel pays serait originaire ce bonbon des fêtes? L'Allemagne ou le Danemark? Bon, bah, ça va partir sur du pif, alors je dirais... Allez, l'Allemagne. Alors, tu l'as reconnu, hein, ce bonbon, ce sont des sucres d'orge. Sucres d'orge, oui, mais l'origine... Et les sucres d'orge sont allemands. Bonne réponse. Ah oui. Le pif, ça marche toujours. Pour l'instant, ça va. Troisième question. Troisième photo que voici. Et voici la question qui va avec. De quoi est traditionnellement fait ces maisons offertes à Noël? De pain d'épices ou de biscuits sablés? Bah, pain d'épices. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle des maisons en pain d'épices. Bonne réponse. Bon, ça va. Ah, t'es pas trop dur, cette salve-là. Hein. C'est vrai que c'était pas trop... Bon, oui, c'est vrai, ça va. Ah, y a des salves plus faciles, d'autres un peu plus dures. Bon. Bon, bah bravo, j'ai fait ma première salve réussie. On va pouvoir choisir un numéro. Bon, il n'y a que un 2000 points qui est parti. Quel numéro choisis-tu?
Un petit 16. Un petit 16. Eh ben, sache que j'ai même envie de dire un gros 16, parce qu'on commence direct avec 4000 points de Whammer. Ah, je sais pas si j'arrête. Alors maintenant, tu as le choix. Est-ce que tu décides de prendre la place du champion avec 4000 points, ou est-ce qu'on fait une nouvelle salve au risque de tout perdre, sachant que la partie vient à peine de commencer. Honnêtement, je m'arrêtais là. Attends, parce qu'il reste deux secondes, avant que tu prennes ta décision, chef Puma, il faut que tu saches que les points ont été doublés, c'est ça, Top Top? À peu près, oui, pas voilà, tous. Parce que quand on s'arrêtait à 2000 dans les anciens au suivant, c'est que tu avais l'équivalent de 4000 aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est juste pour que tu aies un rapport sur l'échelle des grandeurs qu'on a ajouté sur ce au suivant. Okay. Voilà, c'est précisé. Par contre, Wam, j'avais une autre question. Si Chef Puma décide de prendre la place du champion, comment on va faire? Parce que le salon MHR ne peut contenir que 3 personnes. Non, si c'est moi qui l'ajoute, il sera... Oui, à moins que tu l'ajoutes toi-même. Oui, tout à fait. C'est pour pas venir. Tout à fait. Donc, Chef Puma, ta décision, du coup? Bah, je préfère m'arrêter là. Parfait. Tu t'arrêtes là et tu prends la place de champion? Ouais. Ok, parfait. Donc, bravo, Chef Puma. Donc, tu deviens notre premier champion provisoire avec 4000 points de Whammer. Bravo. Je te laisse te reposer quelques instants. Et quant à moi, je dois accueillir un nouveau candidat quand on doit passer au suivant. Et le suivant, ça sera... moi-même. Eh bien, bonsoir, ou à Jean-Michel Régis, comme vous voulez. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Wam? Ça va très bien. Habitué aussi de suivant, hein, et je t'en remercie encore une fois pour l'animation que tu m'offres, en tout cas. Mais il n'y a pas de souci, et puis plaisir partagé. Eh bien, je vous en remercie. Sinon, est-ce que vous êtes prêt à jouer? Vous connaissez très bien les règles. Oui, je les connais. On peut foncer. 4000 points à battre, hein, quand même, du côté de Chef Puma. Hein. Et il y a du boulot. Ça va pas être évident, mais on va tenter. On va faire avec. Et on est parti pour une première catégorie pour toi, catégorie agrumes. Oh, con. Le lien avec les fêtes, s'il vous plaît. Ah, il n'y en a pas forcément. J'ai dit que toutes les salles ne portaient pas trop sur les fêtes. Ah, ça va alors. Bon, c'est bon. On peut manger des fruits en fin de repas. C'est pas faux. Allons-y. Première question. Comment appelle-t-on la pelure des agrumes utilisée en cuisine? Le zeste ou la pulpe? Le zeste, bien entendu. Bien entendu. Bonne réponse. Et c'est magnifique. Quelques applaudissements pour moi. Deuxième question. Le tangelo jamaïcain est un agrume étrange, mieux connu sous le nom de Ugly ou Marley. Le tangelo jamaïcain Ugly. Okay. Ugly. Alors, tu n'es pas tombé dans le fameux piège de Marley, hein, jamaïcain, Bob Marley. C'était bien Ugly, bonne réponse. Je ne connaissais pas la réponse, j'ai senti le piège avec le Marley, clairement. Tout à fait. Ugly qui veut dire lait en anglais, car le fruit, bah, un tangelo, c'est pas très beau, hein, faut le dire. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Ugly. Troisième question. Lequel de ces fruits fait partie de la famille des agrumes? Le kiwi? La bergamote. Kiwi, je dirais. Parce que bergamote, j'ai un doute. Je me dis le kiwi. Et la bonne réponse que j'attendais, c'était la bergamote. Mauvaise réponse. Aïe. Le kiwi, c'est un peu comme la figue ou la grenade et c'est pas considéré comme... Non, je savais pas du tout. Quatrième question, tu n'as plus le droit à l'erreur, mon cher Wam. Ouh là là, j'ai la pression. Docteur Nintendo doit être très content. Voici la question. La clémentine vient du croisement entre la mandarine et le bigaradier ou le combava? Combava, puisque j'ai dit Wakon.
Bah comme quoi, fallait pas dire ces gros mots, mon cher Wam, il fallait partir sur le bigaradier. Mauvaise réponse. Aïe aïe aïe, c'est la bon, fin. Bon bah du coup, Wam, ce fut rapide, ce fut bref, ce fut court. Bah je me dis au revoir. Et la règle, malheureusement, bah oui, est la même pour tout le monde, et je dois passer au suivant. Au suivant. On affiche la voix des Wammers, et qui sera le prochain candidat? Et le prochain candidat sera, je vais vous le dire tout de suite. Ça sera Event. Alors. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Event. Comment allez-vous? Ça va? Bah ça va, bah moi ça va très bien aussi. Oh, très bien aussi, il y a un habitué d'au suivant aussi, Ventin, si je ne m'abuse. Oui, un habitué mais... qui gagne pas souvent. Non, c'est vrai, il me semble que vous n'avez pas encore fait la finale du 21. Non. Bon, cette fois-ci, ce sera peut-être aujourd'hui, qui sait, on sait jamais. Bah, on espère. Tout peut arriver dans ce jeu, tout peut arriver. Est-ce que vous êtes prêt à jouer? Bah, bien évidemment. Je l'espère aussi. Il y a 4000 points à battre, hein, toujours, hein, du côté de Chef Puma, qui se repose tranquillement dans sa chaise du champion. Il mange ma petite sieste, moi. Je regarde les autres. Il se repose, il regarde les autres jouer. Et se planter, pour certains. Est-ce que tu es prêt à jouer, Event? Oui. Alors, on est parti avec une nouvelle catégorie. Catégorie lettre Z. Oula. Première question. La lettre Z est la... 26e lettre de l'alphabet ou 28e lettre de l'alphabet? 26. Eh ben, sache que c'est le 26. Bonne réponse. Yes. Ah, ça va, c'était pas trop dur. Hein. J'ai juste envie d'ajouter qu'un avocat de son rang ne pouvait pas se tromper à cette question. Ah bah non, j'ai défendu... quelqu'un qui est indéfendable. Tout à fait. Ça aurait été la honte. Deuxième question. Lesquels sont les plus vieux? Les millénarios ou la génération Z? Ouh là là. J'ai envie de dire la génération Z. La génération Z. Alors, la génération Z, ce sont des gens qui sont nés entre 97 et 2000. Entre millénarios, ce sont plutôt des gens qui sont nés entre début 80 et fin 90. Mauvaise réponse. Fait chaud. Ah oui, parce que là, tu n'as plus le droit à l'erreur. Troisième question. Combien de points vaut le Z au Scrabble? 8 points ou 10 points? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Alors... 5, 8, 4, 8 points. Et le Z, vu que c'est une lettre très difficile à placer, elle vaut 10 points. Mauvaise réponse. Bon bah mon cher Event, ce fut aussi rapide, court, bref. Je vais pleurer, hein, ça a duré une minute. Oui, ça n'a pas duré longtemps, en effet, j'aurais bien aimé t'avoir un petit peu plus longtemps avec moi. J'aurais aimé. Mais malheureusement, la règle est la même pour tout le monde et je dois passer au suivant. Aïe, au revoir. Au revoir. Et le suivant, ça sera donc Anto. Bonsoir Anto. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien et maintenant très mal parce qu'on va faire que de la merde comme tous les autres. Oh non, j'espère pas. Ça dépendra des questions, mais c'est mal parti. Oh, mais non, t'inquiète pas, tu vas bien te débrouiller, je le sens. On verra bien, on va voir. Un habitué aussi de haut suivant, pour Anto. Oui. Un habitué des loses aussi. Oui, jamais de finale du 21 encore. Non. Peut-être une première pour ce soir, qui sait, on ne sait jamais. Serait pas mal. J'espère pour toi. Est-ce que tu es prêt à jouer? Je suis prêt. Alors, on est parti pour une première catégorie, catégorie réveillon. Oh là là. Ok. J'ai dit qu'il y aurait des salves en rapport avec les fêtes. Hein, c'est moi qui ai tombé dessus.
Après, il y avait des gâteaux là aussi. Pourquoi ça tombe sur moi, Philippe ? Eh ben, ça tombe sur toi. Première question. Traditionnellement, sous quelle plante s'embrasse-t-on lors du nouvel an ? Le hou ou le gui ? Le gui. Oh là, ça va, c'est pas trop dur. Oh, ça, ça va. Je sais parce qu'on m'a pris toute la tête pour en avoir pendant le mois de décembre. Donc, du coup, c'est la réponse. Je la connaissais déjà avant, mais je peux pas oublier. Eh bien, tu as bien raison, c'est bien le gui. Bonne réponse. Bon, ça va, ça démarre pas trop mal. Pour l'instant, ça va. Deuxième question. La cipaye est un pâté de viande en croûte dégusté lors du réveillon au Canada. Mais quelle est l'origine de ce mot, cipaye ? Est-ce que ça vient de cipate ou de cipaye ? Je dirais cipaye. Cipaye. Ouais, franchement, je sais pas du tout. Je connaissais même pas. Je ne connais pas du tout. La cipaye, donc qui est un pâté de viande en croûte, était à la base un pâté qui était dégusté par des marins en mer, et donc par conséquent, on l'appelait le cipaye. Bonne réponse. Je connais franchement, je connais pas du tout. Troisième question. Voici. Si l'on se fie à la légende, qui aurait donné son nom son nom à la dinde ? Qui aurait laissé pardon, son nom à la dinde ? Je vais y arriver. Est-ce Marco Polo ou Christophe Colomb ? Christophe Colomb. Il me dit Christophe Colomb. Au pif, franchement. Au pif. Mmh. Alors en fait, ce navigateur aurait, lors de son voyage en Inde, il aurait mangé des poules venant d'Inde. Et par conséquent, les poules d'Inde auraient laissé son nom à la dinde. Et ce navigateur qu'on recherche, c'est bien Christophe Colomb. Bonne réponse. Oh, oh merci le pif. Hein. Oh là là. Bravo Anto, première salle réussie. On va pas on va pouvoir pardon, choisir un numéro. Bon, il y a 4000 points à battre du côté de Chef Puma. Quel numéro choisis-tu ? Alors, on va changer. D'habitude, je prends tout le temps le 10 ou 17. Là, je vais prendre le 9. Le 9. Et avec le 9... Avec le 9, ça risque de chauffer puisqu'on a un duel qui vous attend. Oh non ! Oh non, t'es sérieux ? Putain... Merci alors, beaucoup. Le duel. Hein. Merci. C'est beau. Alors, merci, Anto, du coup, avec ce duel, je t'octroie immédiatement les 4000 points qu'a accumulé Chef Puma. Et voici comment ça va se passer. Je vais vous poser à tous les deux une question duel sans aucun choix de réponse. Le premier qui me donne la bonne réponse le plus rapidement, qui prend la main et qui ensuite derrière me donne la bonne réponse, prend la place du champion et élimine immédiatement son adversaire. Okay. Attention, si vous me... Alors, vous me dites votre pseudo. Prendre la main. Ok, donc, on dit, donc si on a la réponse, on fait Anto ou bah, Chef Puma et on, voilà. On dit là. Okay. Et après, donc, je vous donne la parole et là, vous me donnez votre réponse. Ok. Attention, par contre, si vous me donnez une mauvaise réponse, vous êtes immédiatement éliminé, c'est l'autre qui reste. Alors, juste pour être sûr, est-ce qu'on peut anticiper la réponse ou on doit attendre la fin de la question ? Vous pouvez anticiper. Ok. Et aussi, dernière chose, vous avez tous les deux 10 secondes pour me répondre. Je dis surtout ça pour toi, Anto, car si aucun de vous deux n'ose me répondre dans les 10 secondes, c'est Chef Puma qui restera champion. D'accord. Ouais, donc, ok, d'accord, ça marche. Voici la question duel. Selon la légende, comment s'appelle le renne au nez rouge du Père Noël ? J'ai pas envie de me gourer. 5, 4... 3, 2, 1. Anto, je t'écoute. Anto, on sait rien. C'est quoi Reine Claude, on sait rien. Reine Claude, on sait rien. La Reine Claude. Moi, je peux te dire quand même une supposition. Vas-y, Chef Puma. Moi, j'aurais dit Rudolf, un truc comme ça. Mais... Oui, c'était Rudolf, en effet. C'est ça. Bien joué, Chef Puma. Donc, Anto, ben, du coup, avec cette mauvaise réponse, tu es immédiatement éliminé. Bah, merci en tout cas à toi d'être passé. Chef Puma donc reste notre champion avec 4000 points. Mais malheureusement, bah, la règle est la même pour tout le monde et je dois passer au suivant. Et le suivant, est-ce que tu peux mettre un stop sur le chronomètre ? Bien sûr. Il reste combien de temps ?
Il reste 10 minutes. 10 minutes, c'est parti. Alors, Anto Event, on va faire un tirage au sort. On repart sur un tirage au sort, ouais. Okay. Parce que tout le monde ne repassera pas, donc faut qu'on joue sur le hasard. Anto Event, WAM, qui reste Docteur Nintendo. Goomba. Okay, Docteur Nintendo, Goomba, Event, Anto et toi, WAM. Alors ça fait 5, c'est ça hein. C'est ça. Allez, c'est parti. On peut glisser un billet pendant le tirage. Il a glissé un billet. Et c'est Docteur Nintendo. Ah oh bah comme quoi. On est reparti sur le premier. Pour rire, elle marche pas. Donc du coup, je vais sortir Anto et Chef Puma pour que... Bah, il a pu venir de lui-même, c'est bizarre. Juste un truc à dire. Là maintenant. Oui. Allez, on est parti. Les salves qui sont passées, sérieusement. Oh. On va remettre en place le chronomètre, donc il faut qu'on attaque, sinon ça va manger le temps pour les autres, Docteur Nintendo. Allez, c'est parti. Ouais, je sais, non mais c'est fou. Bref, je vais avoir quoi, moi. Allez, on est parti pour une nouvelle catégorie, catégorie nuages. On va rêver un petit peu. C'est pas vrai. J'ai tous les trucs compliqués, là, avec la maison pleine d'épices, là, mais s'il te plaît. Première question, Docteur Nintendo. Comment se forment les nuages? Par évaporation ou par sublimation? Attends, c'est de vapeur à... 5. Sublimation. 4. Sublimation. Sublimation. Eh bien, les nuages se forment par l'évaporation de l'eau. Mauvaise réponse. Oh putain. Par l'évaporation de l'eau, oui. Oui, c'est la punaise. Bon, là... Ça démarre mal. Ouais, bah non, mais les nuages, vas-y, je vais perdre. Deuxième question. Qu'est-ce que le nuage de Magellan? La plus grande montagne du Koweït ou une galaxie naine? Une galaxie naine. T'as rien. T'en sais rien, t'as l'air dépité, Docteur Nintendo. Non, mais j'ai que les questions comme ça, moi, c'est pas vrai. Et ben, le nuage de Magellan, c'est bien une galaxie naine. Bonne réponse. C'est des questions, pas de vie. Ah bah, c'est des bonnes questions. Y'a pas que des questions simples, je l'ai dit. Mais j'ai que les questions complexes, moi. Vas-y, allez, passe. Au suivant. Comment se nomme le téléfilm sorti en 2020 sur TF1 avec Alice Taglioni, racontant l'histoire de Dorine Bourneton, première femme handicapée au monde, pilote de voltige aérienne? Je sais, la question est très longue. Est-ce par-delà les nuages ou au-dessus des nuages? Par-delà les nuages, j'en sais rien. Le pif absolu. Ah bah, je crois qu'il faut changer de pif, hein, parce que c'était au-dessus des nuages. Mauvaise réponse. Allez, je m'en vais. Au revoir. Allez, hop. Désolé, Docteur Nintendo. Mais la règle est la même pour tout le monde et je dois passer au suivant. Au suivant et le prochain. Je sais pas combien de fois j'aurais dit au suivant durant ce soir, très compliqué, soit au suivant. Faut les mériter, les points. Ah oui, et le prochain, ça sera Event. Rebonsoir, Ivan. Rebonsoir. Comment allez-vous? Toujours bien. Bien, mais ça va mieux. Toujours bien. Est-ce qu'on est prêt à jouer? Et à rejouer, en tout cas. Et réussir cette fois. Alors, on est parti. Première question, et la nouvelle salle portera sur le mois de décembre. Oh, ok. Dans lequel de ces pays, décembre est-il le premier mois de l'été? En Inde ou en Australie? En Inde. En Inde. Et la bonne réponse que j'attendais, c'était l'Australie, qui se trouve dans l'hémisphère sud. Ça commence mal. Ça commence mal, en effet. Deuxième question. Lequel de ces phénomènes se produit autour du 21-22 décembre? Le solstice ou l'équinoxe? Le solstice. Le solstice.
qui est d'ailleurs appelé solstice d'hiver. Bonne réponse. Je fais chaud là. Troisième question. Décembre vient du latin décem qui signifie 10 ou 12. 12. Alors, décem est appelé comme ça. Car en fait, ça viendrait du 10e mois de l'ancien calendrier romain. Mauvaise réponse. Aïe. Mais il faut pas te faire mal pour si peu. Qu'un jeu. Ouais, mais j'aurais quand même gagné des points. Ah oui, mais malheureusement, ce sera pas pour ce soir, mon cher Event, mais la règle est la même pour tout le monde, et encore une fois, je dois passer au suivant. Au revoir. Et le suivant, ça sera en taux. C'est parti. On sort en taux. Et j'ai été ressuscité par les Dragon Ball, me revoilà. Le dragon t'est favorable. Effectivement. Prêt à jouer ? Ouais, je suis prêt. Allez, on enchaîne car la finale du 21 aussi approche à très grands pas, hein, je vais le dire aussi. Même si le chrono n'est pas encore terminé. Nouvelle catégorie pour toi, catégorie famille. Ok. Première question. Dans la série du même nom, quelle famille habite la petite maison dans la prairie ? La famille Adams ou la famille Ingalls ? Ingalls. Combien les Ingalls ? En effet, bonne réponse. Deuxième question, comment se nomme la famille de la série Alf ? Les Smiths ou les Tanner ? Oh putain, Tanner. Je connais pas. Les Tanner. Bien, tu as bien raison, ce sont bien les Tanner. Bonne réponse. Oh putain. Tu t'en sors bien. Troisième question. Liv Tyler, actrice du film Beauté volée sorti en 1996, est la fille de Steven Tyler qui est le chanteur de quel groupe ? U2 ou Aerosmith ? Aerosmith. Je dis Aerosmith. Et la bonne réponse, c'est Aerosmith. Bien joué. J'ai pas de bol sur les trucs d'avant, mais là j'ai que du bol que. Bravo Anto, nouvelle salle réussie. Merci, merci. Merci on à va la choisir famille. Un nouveau numéro. Il y a le 5000 là qui t'attend, qui te tend les bras. Après, il y a toujours. Bah, il veut, s'il vient quand il veut. Le duel, où ça se passe. Le 7. Le 7. Et bien avec le 7. Et bien avec le 7, ce sera un nouveau duel qui vous attend. Oh, c'est, oh, c'est un truc de fou. Non mais c'est non, c'est pas possible. Non mais. Oh, mais perds maintenant, comme ça on va se régler. Donc du coup, Anto, je te rends toi immédiatement les 4000 points qu'a accumulé Chef Puma. Ah. Est-ce que je peux les garder, Chef Puma ? Est-ce que tu veux pas t'en aller à la toilette ou je sais pas, moi j'en sais rien. Oh là là. Et donc du coup, voici la nouvelle question duel. Je vous rappelle pas les règles, hein, vous les connaissez très bien. Alors voici le duel, si je le retrouve, il est juste ici. De quelle couleur est la croix sur le drapeau du Danemark ? Moi, Anto. Non, trop tard. Oui, Anto. Blanche sur fond et rouge. Oui, c'est ça. Blanche, et elle est effectivement blanche sur fond rouge. Bonne réponse. Méchant. Bien joué, Anto. Donc du coup, tu prends la place de Chef Puma avec 4000 points. Donc Chef Puma, du coup, je suis désolé, mais la partie va s'arrêter là pour toi ce soir. Ça a quand même bien tenu hein, sur la chaise du champion. Ah, c'était peut-être un des plus beaux doubles duels. Il fallait duel of the stakes. Il fallait mettre la musique et tout. Là. Fallait tout mettre. On stoppe le chronomètre. Ok. Je stoppe le chrono. Allez-y, commentez, puisqu'on a le temps. Ok, donc je continue. Donc par conséquent, on va passer au suivant. Mais le suivant, ça sera Goomba et tout le monde aura fait un tour. Et je voulais que justement, ils argumentent sur ce magnifique duel. C'est incroyable ce qui s'est passé. Deux duels d'affilée. J'ai décidé de changer les numéros. J'ai décidé de changer les numéros. J'avais choisi le 9 et le 7 déjà avant l'émission. Et comme par hasard. Voilà. Alors comme d'habitude, à la fin de l'émission, je mettrai tous les numéros hein, de ce soir, bien sûr. Hein. Ouais. Il a juste été plus rapide que moi, quoi.
Très bien. J'ai répondu directement dire son nom, je me suis dit on va trop tard. Voilà, là c'était. Là, j'avais pas le droit de faire une erreur. Ou alors là c'est bon, quoi, je joue plus, je participe plus à rien. Quoi. Faut donc pas du coup, on accueille Goomba, hein, c'est ça. Eh bien, c'est parfait. On accueille Goomba et quoi qu'il arrive, il terminera sa salve. Alors on va demander quand même à Anto de rester oui, dans le fait. Salon. Oui, tout à fait. C'était pour pouvoir faire rentrer. C'était pour pouvoir faire rentrer Goomba. Goomba, okay, il faut qu'il rentre par lui-même. J'avais oublié parce que pour lui, ça déconne. Ah oui, mais il faut que j'enlève Anto. Et là, voilà, c'est bon. Goomba est là. On refait revenir Anto. Magnifique, parfait. Ok. Est-ce que vous nous entendez, Goomba ? Alors, son micro fonctionne. Je vois le cercle vert. Oui. Par contre, je ne l'entends pas. 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon, oui, parfait. C'est bon, on vous entend, parfait. Impeccable. On peut reprendre le chronomètre, jouer, monsieur Toptoff ? Oui, pardon. Oui, je relance le chrono. Et il reste combien de temps ? Alors là, il reste moins de 5 minutes. Donc, je pense qu'on c'est possible. Va approcher. Ouais. On va faire encore une ou deux salves, je pense. C'est possible, c'est possible. Impeccable. Quoi qu'il arrive, il terminera sa série. Hein. Ça veut dire que s'il chope des points et qu'il veut continuer, il la termine, hein, quoi qu'il arrive. Maintenant, oui, s'il se plante ou... On arrête la salve à la fin de 35 minutes, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, et s'il est éliminé... S'il a 7 points, il bat Anto immédiatement. S'il n'accumule pas assez de points, bah, c'est Anto qui restera, qui deviendra champion. J'allais dire que si... Il répond si il a faux et qu'il doit finir ça, qu'il est éliminé et qu'on est en dessous des 5 minutes, on a peut-être T41 à faire participer. Puisque je vois qu'il est dans le salon d'attente. Voilà. Ouais, en effet. Ça marche. Allons-y. Oui. Alors on est parti pour une nouvelle catégorie pour toi. Catégorie chanson qui fume. Et voici la première question. Comment se nomme la chanson dans laquelle Pink Martini dit-elle « Je ne veux pas travailler » et puis « Je fume » ? Agréable ou sympathique ? Sympathique. Sympathique. Et c'est effectivement sympathique. Bonne réponse. Deuxième question. Quelle chanteuse interprète la chanson « L'amour, c'est comme une cigarette et ça s'envole en fumée » ? Est-ce Véronique Sanson ou Sylvie Vartan ? Véronique Sanson. Je me dis Véronique Sanson. Et la mauvaise pioche, c'était Sylvie Vartan. Mauvaise réponse. Troisième question, tu n'as plus le droit à l'erreur. Quel groupe célèbre interprète la chanson Smoke on the Water ? Deep Purple ou Led Zeppelin ? Purple. Je me dis Deep Purple et c'est effectivement Deep Purple. Bonne réponse. Une question. Avec qui Serge Gainsbourg a-t-il interprété la chanson Dieu est un fumeur de Havane ? Catherine Deneuve ou Brigitte Bardot ? Catherine Deneuve. Je me dis Catherine Deneuve et c'est bel et bien Catherine Deneuve. Bonne réponse. Bravo Goomba, première salve réussie. Merci. On va pouvoir choisir un numéro. Il y a 4000 points à battre du côté d'Anto. Ça peut se faire avec le 5000 directement, sinon il reste les passe-passe. Il reste encore 3 duels aussi. Quel numéro choisis-tu ? Le 6. Le 6. Et avec le 6, malheureusement, mon cher Goomba, c'est un haut suivant. Je suis désolé. Oh la poisse. Chef Goomba, mais là, ouais, c'était pas de chance sur ce coup-là. Mauvaise pioche. Donc du coup, ben, Goomba, je suis désolé, mais la chance n'a pas été en ta faveur et je dois malheureusement passer au suivant. Merci Goomba. Ouais. Allez, T41 puisqu'on a le temps. Monsieur T41. Bonsoir, T41. Oui, je suis là. Oui. Alors, on l'entend pas. Alors, on l'entend pas très bien. Est-ce que tu peux monter le son de ton micro, s'il te plaît ? Ben, je vais essayer de m'approcher. Ouais. Ah, le... ouais. Ben, ouais. Ouais. Là, je t'entends mieux déjà.
Ah ben ouais, parce que j'étais loin. Ouais. Comment allez-vous? Bah ça va, ouais, là, pour la soirée, ça peut aller, quoi. Oui, une petite soirée jeu en compagnie de WAM et les WAMers. Bah, c'est ça, ouais. Oui. Avec au suivant. En train de voir un film à la télé, une connerie, quoi. Un habitué et un de vos suivants, Cité 41, n'est-ce pas? Bon, sur quoi je vais tomber encore? C'est pas une hyperbole, là, alors, comme par hasard. On verra bien. Ah ouais, D'autant plus, mon cher WAM, je pense qu'un petit jingle s'impose. Le jingle, ah oui, ça sera celui-ci aujourd'hui, parce que je l'aime bien. J'ai un espèce d'écho. Attendez, si... ah, je le trouve pas. Oh, ça y est, Jean-Michel Régis qui déconne. C'est bon, et là il y a l'Undertaker qui arrive sur le ring. Ouais, c'est ça, et je l'ai entendu en plus, la petite cloche. Donc la petite cloche indique la fin des 35 minutes, donc par conséquent t'es 41, je vais faire une salve avec toi, et à la fin de cette salve, on saura qui sera notre champion. Exactement. J'ai un son double, tu sais, il y a deux sons, enfin deux émissions à la fois. Alors, faudrait peut-être que tu coupes le son du live. Couper le son du live, effectivement. Ah, okay, le son du live. Ah, d'accord. Voilà. C'est parfait, c'est bon? Ah ben oui, parce que là, c'était... Mieux, c'est parfait. Et donc, on est parti pour la dernière salve, donc la dernière catégorie, catégorie POU. Pardon, POU? POU, P-O-U. POU? Le POU qu'il y a dans les cheveux. Ouais, d'accord. Bon, qu'il y a les cheveux longs, ça va, quoi. Non, mais bon, j'ai pas de POU. J'ai pas... Yeah. Bah, j'espère bien que tu n'as pas de poux. Non, c'est plus. Première question. Bon. De quoi se nourrit le poux lorsqu'il entre dans le cuir chevelu? Ouais, bah alors là, encore une fois. Est-ce sang ou de pellicule? J'ai plutôt le sang, moi, je pense. Et le sang. Ça grattait. Ouais, ça grattait, et en effet, il se nourrit de sang, hein, le poux. Ouais, bonne réponse. Bon, à une époque. Bon. Deuxième question. Le poux saute d'une tête à l'autre avec une très grande agilité. Vrai ou faux? Moi, je dirais faux. Alors on dit toujours que le Pou est un très grand sauteur, hein, il peut toujours bondir ouais, c'est très loin, on peut dire. Mais en fait, ceci est complètement une idée reçue et le Pou se transmet de cheveux en cheveux. Bonne réponse. Ah. Troisième question. Dans la série des livres drôles de petites bêtes, comment se nomme le Pou? Marlou ou Loulou? Ah, je sais pas, au hasard. Hein. Marlou, allez. Me dit Marlou. Au hasard. Au hasard. Eh bien là, le hasard fait mal les choses parce que allez, c'était Loulou. Mauvaise réponse. Je les connais pas. Hein. Mec, je les connais pas. Dernière question. Les poux peuvent se propager dans une piscine. Vrai ou faux? Ben, je dirais peut-être faux, mais c'est... J'ai l'impression que je me gourre. Allez, faux. Dis faux. J'ai l'impression que c'est le contraire. Eh bien, les poux, en fait, ben, ce sont de très mauvais nageurs. Bonne réponse. Oh, okay. Bravo, T41, salve réussi. Ouais. On va pouvoir choisir un numéro, donc ce sera le dernier, hein, par conséquent, puisque les 35 minutes sont écoulées, donc tu es le dernier à choisir un numéro. Donc du coup, quel numéro choisis-tu, T41, sachant qu'il y a 4000 points à battre du côté d'Anto, donc là, il faut prendre soit le 5000, soit un duel, soit un passe-passe. Bah, les numéros, ils sont où? Enfin, c'est les numéros entre... Enfin, je sais pas. Entre 1 et 52. Ah, 27. 27. Ouais. Avec le 27, ce ne sera pas suffisant parce que c'était le 400 points plus Joker. Ouais. Et malheureusement, comme c'était la dernière salve, le Joker, tu pourras pas en bénéficier, malheureusement. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas compris que c'était un truc.
Bah en tout cas, merci à toi, T41, d'avoir participé. Et donc, on a notre champion de ce soir qui s'appelle Anto. D'accord. Okay. Merci, T41. Si, ouais. Si. Est-ce que je peux aller changer de slip avant le final? C'est son premier 21, je crois. Hein. Ah, premier 21, Anto, en effet. Là, j'ai très peur, là. J'ai très, très peur. Alors, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, moi, j'aurais réussi à arriver en finale, c'est déjà ça. Oui, en effet. Un petit peu la pression, peut-être, non? Un peu beaucoup, ouais. Avant d'avoir la pression, on va lancer le jingle. Le jingle final, oui, tout à fait. Le jingle de la finale. Alors, c'est parti pour le jingle de la finale. Et c'est parti. Et on est parti. Et ben ça y est, Anto, tu es enfin arrivé à cette finale du 21. Ça y est, je suis content. Franchement, je suis content. T'es content, ouais. Et c'est la manière fois. Dont j'y suis arrivé, quoi. C'est encore plus épique. Et c'est la première fois, en plus. Et c'est la première fois, ouais. Un petit peu la pression. Batailler pour l'avoir, celle-ci. Oui, en effet. J'espère que tu vas la remporter. Ah, j'aimerais bien. D'autant plus que tu le sais, mais cette finale du 21 sera un 21 spécial fête. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de 21, bah, je vais te réexpliquer les règles. Ça marche. Donc, j'ai devant moi 21 questions à choix de réponse. J'attends de toi que tu me donnes 21 mauvaises réponses d'affilée. Tout cela en temps limité, puisque tu ne disposes que de 150 secondes pour réussir cet exploit. Et si tu y arrives, eh bien, en plus des 4000 points que tu as accumulés, eh bien, moi, je rajoute 2000 points bonus. Donc, ce soir, tu joues pour 6000 points de Whammer. D'accord. Ça fait quand même beaucoup. Oui, effectivement, oui. Et en plus de ça, c'est moi qui ferai le chèque à la fin de l'émission. Ah, impeccable. Sur Twitch, en personne. Ça va vous donner. Comme quoi, même l'animateur fait le chèque, hein, voyez. Ouais. Si jamais tu... animateur multifonction. Ouais, tout à fait. Whammer, dragon, animateur, donneur de points. Si jamais tu viens à te tromper, eh bien dans ce cas-là, je reprends du début, et là, tu as tout le loisir de me couper, je t'en voudrais pas personnellement. D'accord. Je crois que tout est dit. Est-ce que tu as des questions avant qu'on commence? Non, faut juste pour le freeze, je sais plus comment ça marche. Alors, j'expliquerai ça à la deuxième partie, car oui, si tu passes les 150 secondes, je passerai à la deuxième partie du jeu, mais j'espère pas y venir. Ok, ça marche. C'est bon. On va pas se mettre la pression avec le freeze. Ouais, c'est sûr. Ouais. J'en ai déjà assez, là, c'est bon. On va déjà passer les 150 secondes, ouais, on verra c'est après. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Est-ce que tu m'entends correctement? Oui. Alors, on est parti pour 150 secondes. Le chronomètre commence maintenant. Passé ou présent, quel mot désigne aussi un cadeau? Passé. Vodka ou verre de lait, que laisse-t-on pour désaltérer le Père Noël? Verre de lait. Non. Passé ou présent, quel mot désigne aussi un cadeau? Vodka ou verre de lait, que laisse-t-on pour désaltérer le Père Noël? Vodka. 3 ou 13, dans la tradition provençale, combien de desserts sert-on à Noël? 3. Kevin ou Michael, comment s'appelle le héros du film Maman, j'ai raté l'avion? Michael. Cyan ou vermeil, quel mot est synonyme de rouge? Cyan. Père Noël ou Père Foura, qui a H-O-H-O-H-O comme code postal? Pardon, j'ai pas compris. Chrono. Père Noël ou Père Foura, qui a H-O-H-O-H-O comme code postal? Père Foura. U2 ou Wham, qui a popularisé la chanson Last Christmas? Wham. Non, top chrono. Bon. Pour l'instant, ça va. On accorde du temps. Il nous reste 102 secondes. On peut encore y aller, mais il faut éviter de se trop se tromper hein, maintenant, hein, Anto. Oui. On est prêt? Prêt. Alors, je reprends. 102 secondes. Le chronomètre reprend maintenant. Passé ou présent, quel mot désigne aussi un cadeau? Passé. Vodka ou verre de lait, que laisse-t-on pour désintégrer le Père Noël? 3 ou 13, dans la tradition provençale, combien? Kevin ou Michael, comment s'appelle le héros du film? Cyan ou vermeil, quel mot est synonyme de rouge? Père Noël ou Père Foura, qui a H-O-H-O-H-O comme code postal? U2 ou Wham, qui a popularisé la chanson de Last Christmas? U2.
Congère ou congélo, lequel désigne aussi un gros tas de neige? Congère. Non. Passé ou présent, quel mot désigne aussi un cadeau? Passé. Vodka au verre de lait, que laisse-t-on pour des intérêts de Père Noël? 3 ou 13, hein, la tradition 3. Provençale, combien? Kevin ou Michael, comment s'appelle Michael. Le héros du film? Sion ou vermeil, quel mot est synonyme de rouge? Père Noël ou Père Foura, qui a H-O-H-O-H-O? U2 ou Wham, qui a popularisé la chanson Last Christmas? Congère ou Cogelo, lequel désigne un gâteau de neige? Panettone ou Patagonie, lequel désigne aussi un gâteau de Noël? Patagonie. Gremlins ou Godzilla, quel monstre de fiction détruit tout le soir de Noël? Godzilla. Empoisonné ou pollué, comment appelle-t-on un cadeau qui pose de nombreux problèmes? Pollué. 22e ou 34e, dans quelle rue se passe le miracle dans le film de 47? 22. Noël ou jour de l'an, quelle fête est celui de la nativité? Jour de l'an. Nicolas ou Sylvestre, quel saint est fêté le 31 décembre? Nicolas. Chien ou chat, chez les Simpsons, quel animal est petit papa Noël? Chat. Automne ou hiver, lors de quelle saison fête-t-on Noël? Automne. Guillaume Canet ou François Cluzet, quel acteur joue dans le film Joyeux Noël en 2005? François Cluzet. Brun ou blanc, de quelle couleur est le rhum qu'on verse dans le lait de poule? Blanc. Olaf ou Sven, comment s'appelle le bonhomme de neige dans La Reine des Neiges? Sven. Dealer de Zouk ou La Compagnie Créole, quel groupe entier chante la chanson Cadeau du Ciel? Dealer de Zouk. 24 ou 25, combien y a-t-il de chocolat dans un calendrier de l'Avent traditionnel? 24. Non, top chrono. Non, non. Oh là là. Non, 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 non. On était à combien de questions? Non. C'était la dernière. Non. Non, putain. Non. On aurait eu notre premier vainqueur. Non. Bon. Oh là là. Là, ça va être très difficile. Il reste 3 secondes. Ah. Anto. Oh. Oh non. Oh bon, là je suis quand même obligé de relancer le chrono pour les 3 secondes qui restent. Ouais. Donc 3 secondes, le chronomètre reprend maintenant. Passez au présent, quel mot désigne aussi un cadeau? Top chrono. Ouais. Top chrono, ouais, 3 secondes, ça va vite. Ouais. Donc non. Du coup, on va passer à la deuxième partie du jeu. Ouais. Au moins, l'avantage, c'est que tu connais toutes les questions maintenant. Oui. C'est l'avantage. Donc du coup, je reprends à 100 secondes. Donc là, cette fois-ci, les 6000 points de Whammer, on va les oublier. Ouais. On va jouer cette fois-ci pour 2000 points et à chaque seconde qui passe, tu perds 20 points de Whammer la seconde. Si tu le souhaites, quand il restera 50 secondes, je te mettrai le message 50 secondes restantes. Et dans ce cas, tu pourras faire un freeze. Dans ce cas-là, je freezerai les points et les gains. Et là, il faudra me refaire tout le 21 du début. Si tu y arrives, tu repartiras avec les points que tu as freezés. Ok. Après, si tu le souhaites, tu n'es pas obligé de freeze si tu sens que tu es proche de la fin, par exemple. Après, c'est toi qui vois. Ok, d'accord. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, oui. Alors, je reprends, je m'étais arrêté, donc je reprends la question numéro 2. On est parti, donc pour 100 secondes, le chronomètre reprend... Alors, attends, avant ça, je vais quand même mettre le message. 50 secondes restantes. Voilà, c'est parfait. Donc, on est parti pour 100 secondes, et le chronomètre reprend maintenant. Vodka au verre de lait, que laisse-t-on pour désintégrer le Père Noël? Vodka. 3 ou 13, dans la tradition provençale, combien de desserts? Kevin ou Michael, comment se nomme le héros? Sion ou vermeil, Sion. Quel mot aussi? Père Noël ou Père Foura, qui a chaud, chaud, chaud? YouTube ou Wham, qui a popularisé? Congère ou congélo? Congélo. Désigne... Panettone ou Patagonie? Lequel Patagonie. Désigne... Emlins ou Godzilla, quel monstre de fiction détruit tout? Empoisonné ou pollué, comment appelle-t-on? 22e ou 34e, dans quelle rue se passe le miracle? Noël ou jour de l'an, quelle fête est celui de la nativité? Nicolas ou Sylvestre, quel saint est fêté le 31 Nicolas. Décembre? Chien ou chat, chez Simpson, quel animal? Automne ou hiver, lors de quelle saison? Guillaume Canet ou François Cluzet, quel François acteur Cluzet. Joue? Brun ou blanc, de quelle couleur? Blanc. Olaf ou Sven, comment s'appelle le bonhomme de neige? Dealer de Zouk ou la compagnie créole? Dealer de Zouk. 24 ou 25, combien y a-t-il de chocolat dans un... Top chrono, c'est gagné! Bravo! Alors là... Il restait 55 secondes au chronomètre, donc du coup, tu repars ce soir avec 1100 points de Whammer, Anto. Bravo! Merci. Je suis dégoûté, c'est juste pour les 6000. Ah, c'est dommage, mais bon, c'est quand même 1100 points de Whammer et tu es le premier à réussir les finales du 21, Anto. Bravo! Merci beaucoup. Ah, ça se passe tellement, hein, ce jeu-là. Ah là là là. Mais en tout cas, bravo, Anto.
Bravo, félicitations, tu repars avec 1100 points que je vais te mettre directement sur Twitch. Merci beaucoup. Donc par conséquent, tu peux mettre quand même un petit message sur Twitch pour que je puisse mettre tes points. Ouais, je vais aller sur Twitch. Hop. Oui, c'était, on peut voir, on peut le faire en direct, la effectivement. Et vous rajouterez les 2000 que j'ajoute habituellement à celui qui arrive au 21. Monsieur Toptoff. Ça fait 3100 points. 3100 points. Eh ben bravo, Anto, 3100 points. Ah, merci. C'était qui est arrivé à la toute dernière aussi qui avait échoué? C'était Chef Puma. Puma. Non, c'était Dr. Nintendo. C'était Dr. Nintendo, exact. Ah, je comprends le... Ah ouais. Donc oh là voilà, là. Je fais tout de suite le truc. Voilà, c'est fait, tu as tout de suite, t'es 3100 points, mon cher Anto. Bravo. Merci beaucoup, je vois ça, merci beaucoup. Eh bien, en tout cas, c'était une très belle finale, Anto, hein, tu nous as proposé, comme j'ai dit. Donc tu es le premier à réussir cette finale du 21 pour cette nouvelle saison, en plus. C'est une belle inauguration. Belle inauguration pour cette deuxième saison de haut suivant. Ah, sur un thème, mais c'est... jamais j'aurais cru gagner là-dessus. Quoi. Jamais. Ah, et bien, comme quoi, en plus, sur une spéciale fête. Comme quoi, tu as reçu un très beau cadeau sur ce coup-là. Ah, effectivement, c'est ce que j'allais dire. À jamais le premier, Anto, comme l'OM. Ouais. Comme voilà, exactement. Premier va réussir la finale du 21. On attend un racheteur de l'émission qui, comme un autre club, pour gagner un autre trophée qui convoite depuis longtemps. Voilà. Mais à jamais le premier. Quoi. Vraiment bravo, bravo, parce que c'est vraiment un exercice qui est vraiment pas évident. Mentalement, c'est. Comme on disait, tu es conditionné à donner les bonnes réponses pendant près d'une heure, et là, tu dois speeder en donnant des mauvaises réponses. C'est ignoble à vivre. C'est ça. Et le pire, c'est que sur le 24-25, j'étais là, mais je me suis dit, c'est sûr et certain. En fait, non, pas Il y en a bien 24 de cases, donc il fallait bien dire 25. J'en ai pas assez mangé des calendriers de l'avant, faut que j'en achète plus. Ouais. En plus, c'est passé déjà, alors bon. En plus, c'était très mal parti parce que déjà, dès les 2-3 premières questions. Ouais, tu m'as dit, tu t'étais planté déjà sur la deuxième question. Ouais, et j'ai mis 10 ans à répondre, quoi. Genre, première en plus, ça t'était un peu lent, ouais. Passé au présent, j'étais là comme ça, mais c'est pas possible. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on invite tout le monde pour les réactions? Oui, on retourne dans le salon, salle d'attente. Très bien. Attends, non. Donc, rebonsoir tout le monde. Bien joué, Anto. Est-ce que je peux parler? Bravo. Est-ce que je peux parler? Anto. Alors, vas-y. Oui. Anto, j'ai rarement eu autant de hype quand tu répondais aux questions. J'étais là, allez, réponds. Et le pire, c'est qu'à chaque question, je tremblais. J'étais là en mode, il faut pas que j'ai faux, sinon je me recasse tout et je reprends tout. Et dès que j'entendais une autre question arriver, je suis là, c'est bon. Et à chaque fois, c'était ça, là, pendant 3-4 questions d'affilée, et j'étais pas sûr et tout. Quand j'entendais des autres mots, je suis là, trop bien. Je les voyais s'enchaîner, c'était incroyable. J'étais, allez, réussi. Mais je pense que même Top, il a eu un peu mal parce qu'il m'entendait débiter les réponses, mais pire qu'à. Moi aussi, je dois aller vite, hein, parce qu'il faut passer le. Ah oui, mais quand tu t'es planté, il y avait le Top. Non! Donc, qui était tellement dégoûté, il était là, allez, putain, Anto! Ah oui, j'étais dans. Non, mais quand c'était la dernière, quand j'ai vu que c'était trompé la dernière, je dis non! Ah oui, non, mais je t'ai entendu, non! Anto! Je suis content, je gagne quand même, donc je suis content, je rattrape l'erreur, quoi. Mais ça m'est encore. Mais bon, les 6000 points, t'en passes un petit peu sous le nez, quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais bon, j'ai quand même réussi. Moi, franchement, au-delà des points, c'était la réussite des questions, quoi. Surtout. As-tu le premier, tu le premier. J'aurais gagné 100 000 points ou zéro, j'aurais voulu aller au bout dans tous les cas. Donc. T'es le premier à avoir gagné. Ouais. Moi, sinon, en tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. Ah oui. Mais c'était très bien. Ah, mais il y avait tout, duels, tout, il y avait tout. Franchement, pour moi, il y avait tout. Ouais, les duels. Qui a gagné? Moi, j'avais des thèmes de merde. Tu te rattraperas la prochaine fois, Dr. Nintendo. Mais c'est fou parce que les thèmes que Chef Fumel aurait dû avoir, ça aurait été Doc qui aurait dû les prendre et vice versa, en fait. À chaque fois, ça a inversé quasiment. C'est. Chacun mélange son thème, quoi. Ah bon, voilà, après les autres, WAM, une réaction. Très bien, alors ma réaction, et ensuite tu concluras Toptoff. Donc, superbe au suivant pour ce premier numéro de l'année.
Comme vous le savez, on se retrouve à chaque fois pour les vacances scolaires pour les hauts suivants. Donc le prochain sera pour les vacances de février. Un grand merci à vous d'avoir participé. C'était vraiment un haut suivant très difficile et exceptionnel à la fois. Une spéciale fête, c'était pas trop un spécial fête. Il était compliqué. Il y avait des questions. Faut avoir une culture G quand même assez relevée. Parce que on sort en plus d'un haut suivant. On sort en plus d'un haut suivant spécial jeu vidéo, donc là on était tous à l'aise à peu près. Non. Et là c'est vrai que revenir sur un haut suivant culture G spécial fête, c'était attention, fallait s'accrocher. Ah ouais, France Clusée. On était beaucoup plus à l'aise, ça se voyait. Ben, on l'a voulu en même temps, hein, le spécial jeu vidéo, c'est pour ça, c'est la base de cette communauté en même temps. Donc c'était assez. J'ai eu une idée puisque je vois Saint-Etza aussi dans la salle d'attente, pourquoi pas faire un jour un au suivant spécial film. Ça peut peut-être le faire. J'avais même pensé à un au suivant spécial WAM aussi. Mais c'est compliqué. Oh, les écrans noirs. Alors, c'est là pour que WAM m'aide à faire les questions. Dans ce cas. Les donc, écrans noirs. Quel jeu est-il parti aux toilettes toutes les 10 minutes à C4 ou RE8 très bien. Comme on est pressé alors, par le temps, je vous laisserai discuter après le live. Je termine par la chaîne d'Anto sur Twitch, la chaîne de Goomba80 sur Twitch également et YouTube. N'oubliez pas que cette vidéo sera également disponible sur la chaîne YouTube de TopTof. Je vous remercie à tous d'avoir été présents et je laisse le mot de la fin pour TopTof. Très bien, et avant de conclure, je vais mettre donc dans le Discord tous les numéros de ce soir, voilà, pour ceux qui souhaitaient savoir à quoi correspondait chaque numéro. Voilà, au moins comme ça, vous avez la liste et le récapitulatif. La réponse à tout. Ah bah, j'ai bien fait de ne pas le prendre le 10 et le 17. Hein. Donc voilà pour tous les numéros. Bah, en tout cas, j'espère que cette nouvelle saison de Suivant et ce nouveau numéro de Suivant vous aura tous plu. Et puis quant à nous, eh bien, je pense qu'on se retrouvera, ben, comme on l'a dit, WAM, on se retrouvera donc le mois prochain, donc certainement au mois de février, pour un nouveau numéro de haut suivant. Et en attendant, ben, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Au revoir. Bye. Envoyez la pub.